Bonsoir mes clips musiqueurs, mes clips musiqueuses, c'est Oriane. Nous recevons ce soir Noécha qui est parmi nous. Nous sommes au Mood et elle est venue nous présenter à travers le titre Dis-moi son album intitulé Horizon. Noécha, je veux savoir, comment es-tu arrivée sur le chemin de la musique ? C'est arrivé soudainement, oui. Si je peux dire ça comme ça. Tout simplement parce que je suis arrivée dans ma scolarité au collège en plein milieu d'année. Donc du coup, la classe, elle est déjà, les affinités se sont déjà créées. Oui. Et du coup, quand tu arrives en plein milieu d'année, c'est pas forcément évident. Et les premières personnes qui sont venues me voir, qui m'ont accueillie et qui m'ont un petit peu mis à l'aise, c'est deux filles qui avaient aussi envie de monter un groupe de chant. D'accord. Parce qu'à cette époque-là, il y avait tous les boys band, Spice Girls. Et oui, c'était la tendance. Tout à fait, c'était la tendance. Et en fait, du coup, au fil des années, au fil des affinités et aussi avec notre prof de musique, puisqu'au collège, on a la matière musique. Je m'en rappelle. Qui existe toujours. J'en avais aussi. Ouais. Et elle nous a gentiment, enfin notre prof de musique nous a gentiment proposé un jour de rester un petit peu plus tard après le cours. Et puis, elle nous a donné 2-3 astuces, elle nous a fait un petit peu pousser la voix. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais pas une voix de casserole. Et puis voilà, ça a démarré en fait comme ça. C'est là que tu t'es pris un peu plus au sérieux, tu t'es dit que... Je me suis pas encore prise au sérieux, là, c'était plus... Je t'ai dit que t'avais quand même tes chances. J'y pensais même pas encore en fait. Là, à cette époque-là, voilà, on était entre copines, on avait envie de monter un groupe de chant, donc on s'identifiait un petit peu, notamment aux Spice Girls, puisque c'était elles qui fonctionnaient le plus à cette époque. Mais moi, c'était pas encore à cette époque-là vraiment une envie de pousser ça dans le professionnel. C'était plus un bon délire avec mes copines et c'est arrivé un petit peu après où là j'ai au niveau des progressions aussi que je faisais que ça me trottait dans la tête et pourquoi pas me lancer dans cette filière. Et donc en 2010 tu as ton premier titre qui est sorti, ouais. Besoin de toi. Tout à fait. Je vous en dis un petit peu plus. Alors, Besoin de toi, c'est un titre qui avait été monté par ma prod assez tôt en fait. On l'a sorti qu'en 2010 parce qu'on a voulu aussi le retravailler au niveau du rendu en fait qu'on voulait. On a fait intervenir des vrais musiciens, notamment sur les basses et les guitares. Et du coup, c'est un morceau sur lequel je m'identifiais au début parce que voilà, c'était mon tout premier morceau, c'est le tout premier que l'on a promotionné par rapport à cet album Horizon. Et puis après, plus on constituait l'album, plus les morceaux se montaient et plus j'avais mes préférences. Et après, Besoin de toi, je l'ai un petit peu oublié. Mais voilà, c'est vrai que ça reste quand même mon tout premier morceau qui, on va dire, m'a lancé dans le milieu, quoi. Tu viens de dire ta prod ? Oui. Comment tu en es arrivé à avoir une prod, enfin, comment tu l'as trouvée, comment elle est venue à toi, tu nous expliques. Alors, on va dire qu'elle est venue à moi assez facilement. D'accord. Puisque c'est de l'autoproduction. Donc c'est vraiment une prod familiale. Mm-hmm. Donc au niveau de la prod, j'ai mon équipe, donc le producteur qui est aussi mon père. D'accord. Et puis derrière, on a un directeur artistique et un manager. Et au niveau de l'élaboration de cet album, c'est vraiment un échange avec mon producteur et moi-même sur les morceaux qui constituent l'album. Donc voilà, c'est vraiment un projet vraiment familial.
Je pense que ça t'a apporté peut-être plus de choses que si t'aurais été dans un cercle qui serait pas familial, peut-être plus externe, professionnel, enfin professionnel, mais en étant plus avec des personnes externes que tu ne connaîtrais peut-être pas de base. Alors, n'ayant pas travaillé, enfin, oui, non, parce que je travaille quand même avec des gens extérieurs, mais je pense quand même que c'est un plus parce que du coup, on est déjà beaucoup plus à l'aise puisque c'est plus en confiance de la famille, donc on est plus en confiance. Mmh. Et puis c'est beaucoup plus facile aussi de partager, de faire comprendre certaines choses à quelqu'un qu'on connaît déjà. Donc on sait comment on va amener la discussion. Donc oui, enfin moi je pense que c'est quand même c'est un plus pour moi, c'est sûr. Notamment dans ton album qui est composé de 10 titres, toi tu dis que tu as été préférence. Oui. Ce sont lesquels? Je le dis souvent, donc ceux qui ont déjà, qui m'ont déjà un petit peu écouté doivent peut-être connaître la réponse. Mais c'est vrai que le morceau Providence est un morceau, c'est mon préféré en fait. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais dès la première fois où on me l'a présenté ce morceau, donc il y avait juste la composition, l'instrumental, il n'y avait pas encore les textes. Mmh. Déjà ne serait-ce qu'au niveau de l'instru, le morceau m'a parlé tout de suite. Et souvent, on me fait la réflexion par rapport à l'écoute des morceaux qu'on sent dans la manière où je l'ai posé que ce morceau-là, il parlait beaucoup plus. Donc oui, c'est vrai que j'adore ce morceau, j'adore. Surtout qu'en plus, moi, j'adore la basse. Et dans ce morceau-là, cet instrument est très prononcé et j'adore. Il faudrait te faire des morceaux avec peut-être plus de basse. Comme ça, il y a un petit peu de tout, c'est très bien comme ça. Toi, tu t'es dirigée avec ce premier album plutôt vers le zouk. Pourquoi peut-être pas vers un autre genre musical? Alors, pourquoi vers le zouk? Tout simplement parce que, étant donné que c'est un projet familial, mon père, ça fait très très longtemps qu'il est dans le milieu musical et dans le milieu caribéen, puisqu'il est, il était pianiste des Vikings de la Martinique. Ok, ouais, quand même. Et du coup, on va pas le cacher, c'est déjà des portes qui s'ouvrent. Mm-hmm. Donc il y a une certaine, entre guillemets, je vais dire facilité, parce que c'est pas facile. Mais voilà, il y a déjà des contacts, des ouvertures qui sont là. Et puis moi, je l'ai plus vu dans le sens où voilà, ça me permet déjà de rentrer dans le milieu. Et puis le zouk, ça reste quand même mes racines. Et puis après, au niveau de la progression, voir après s'il y a possibilité de se rediriger vers un petit peu plus mon style musical. Qui est la soul et le R&B. Mais le zouk, c'est quand même une de tes préférences aussi. Elle en fait partie aussi. Oui, elle en fait partie. Ouais. C'est je ne renie pas mes racines. D'accord. Et le zouk, voilà, ça représente aussi tous les pays afro-caribéens. Ouais, ça rejoint aussi, c'est vrai. Et puis donc, on a eu l'occasion de te voir parmi beaucoup de scènes suite à la sortie de cet album. Oui. On a eu la discothèque de l'Odyssée au Mans, le marché tropical, Palais des Congrès, s'il vous plaît. Donc d'autres marchés tropicaux, le Caribbean Fever à l'Eden Club, c'est beaucoup de scènes quand même. Tu nous racontes un petit peu comment tu les as vécues justement ces scènes, ces prestations? Alors moi qui ai débuté en live puisque j'ai beaucoup évolué en piano bar, moi la scène c'est chez moi. C'est vraiment mon univers. Tu dormirais, tu manges. Je me sens vraiment. Quand je suis sur scène, c'est moi. Je vis vraiment l'instant. Je partage avec le public et moi j'adore ça. Dès que j'ai des prestations, je suis toujours pressée d'y être. J'adore ça. Ouais. Contact avec le public, peut-être. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah c'est surtout ça. Moi, je suis quelqu'un. J'aime communiquer, j'aime échanger. Et du coup, avec la musique, je trouve que c'est le meilleur moyen pour pouvoir échanger avec les gens, leur faire partager aussi un peu notre intimité entre guillemets. Mmh. Et du coup, moi, j'en profite à fond.
car pardon. Après, voilà, c'est petit à petit aussi, on se sent un petit peu plus à l'aise, donc on va être amené à faire plus de choses. Mais bon, c'est vrai que j'essaye d'échanger un maximum avec le public. Ouais. C'est l'occasion aussi, en même temps, justement, lors de ces prestations, c'est l'occasion en même temps de les rencontrer, oui. Chose qui n'est pas souvent. Et de se faire découvrir aussi en tant qu'artiste. Voilà. Donc, je vois les prestations aussi comme un grand lieu de vente, quoi. Voilà, t'es là, t'es artiste, t'es tout nouveau dans le milieu et voilà, t'as le public en face de toi et il faut que tu leur donnes envie déjà de t'écouter déjà parce ouais. que c'est pas accrocher les gens, c'est pas évident, hein. C'est surtout le milieu caribéen parce qu'ils sont très difficiles. Et puis après, voilà, c'est leur donner envie aussi d'acheter l'album, de me suivre, donc voilà. Oui. D'accord. Dis-nous, justement, tu as fait des prestations piano-bar. Oui. Tu jouais du piano. Alors non, c'est moi, je n'utilisais que ma voix. Et en fait, c'était mon père qui était au piano. Donc, et toi, tu l'accompagnais vocalement. Je l'accompagnais vocalement. Donc on avait un registre, donc il avait aussi des morceaux qu'il interprétait. Et puis j'avais aussi mon registre qui était assez varié, puisque là, du coup, comme on était à deux, il y avait des registres caribéens, de la mazurka, la biguine, que j'adorais chanter d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup chanter en créole. Ouais. Et puis le registre variété française, variété internationale. Donc on avait c'était vraiment très varié. Un registre varié. Donc ça me permettait aussi, moi, vocalement, de pouvoir vraiment jouer sur plusieurs tableaux. Oui, d'accord. Mmh, intéressant. Du mazurka, tu m'as dit. Oui. C'est intéressant. C'est joli. C'est d'ailleurs assez rare. De nos jours, les jeunes artistes chantent plutôt du zouk dans le milieu caribéen. Mmh. Peut-être ils ne se rapprochent pas forcément souvent vers le mazurka, les musiques qui sont, on va dire, traditionnelles des îles. Pourtant, on connaît une grande chanteuse qui a fait de très très belles mazurkas et qui aujourd'hui est une référence pour beaucoup de jeunes artistes. Edith Lefel, elle a quand même fait de très très beaux morceaux et pourtant aujourd'hui encore on les écoute sans problème, quoi. Après, je pense que c'est aussi l'éducation aussi. C'est vrai que voilà, comme moi j'étais dans un milieu déjà toute petite musicale, mon père qui était dans les Vikings de la Martinique et ma mère qui était dans des ballets folkloriques. Donc déjà les racines, déjà je les avais. Oui. Donc voilà, pour moi c'était naturel de chanter ces morceaux-là aussi. Ça fait partie de ma culture. Et donc pour ces titres, moi j'aimerais bien que tu entendes chanter. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'entendre chanter. Ta préférence, donc comme tu l'as dit, Providence. Tu nous fais une petite vocalise. D'accord. Je peux y aller ? Oui, tu peux. On t'entend, on t'écoute. Pendant vacances au pays, nous venons connaître nos tissus. Ça fait bientôt 6 ans que j'ai passé. Nous partager plaisir, nous essayer comprendre nos tissus. Mais le temps qu'a coulé nous. C'est joli. Merci. C'est très joli. T'as un joli timbre de voix. Merci. Et d'ailleurs, à travers ta voix, on sent tes racines. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais on sent, par rapport à ton timbre de voix, en fait, ça rappelle les chanteurs. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'on m'a souvent, dit « Ah, t'as la même voix que Jocelyne Béwa » ou « Ah, tu me fais penser à Nathalie Perroni », et ça reste quand même des chanteuses de référence, puisque c'est ces chanteuses-là qui ont fait découvrir le zouk, si tu peux oui, dire. Oui, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, que dans mon timbre de voix, il y a vraiment une sonorité locale. Oui, c'est ce que je veux dire. Exactement. Ouais. Et effectivement, on m'a déjà fait la remarque. Et tu penses que tu te tournerais peut-être vers une chanson qui ferait peut-être un peu mazurka, Begin? Alors, si on me propose quelque chose musicalement qui t'intéresse, me plaît, moi j'y vais à fond. Quand tu aimes, tu fonces. Exactement. Okay. On a vu d'ailleurs récemment le clip « Dis-moi ». Oui. Pourtant, ce titre, il est sorti en 2012, oui, c'est bien ça. Ouais. Et il est sorti il y a pas longtemps, il y a moins d'un mois à peu près. Oui, hein, il est sorti au mois de mai. Ouais. Au mois de mai, on est en juin. À peu près 10 000 vues en moins d'un mois. Tu nous racontes un petit peu le clip?
puisqu'on l'a vu. Oui. Pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, tu nous racontes un petit peu le scénario du clip. Le morceau Dis-moi parle d'une jeune fille qui vit une relation amoureuse très très passionnelle avec un jeune homme qui a de son côté lui déjà une vie de famille. Et à un moment donné, voilà, la fille lui dit il va falloir qu'il choisisse, donc dis-moi qui tu choisis. Et dans le clip, bon, alors c'est peut-être pas forcément marqué cette histoire-là, parce qu'il n'y a pas de fil rouge où on voit la fille qui pleure, qui se déchire, mais il y a quand même ce côté la fille qui est un peu en désarroi avec ses copines qui discutent, qui échangent avec sa mère, qui lui demandent des conseils. Donc il y a quand même ces plans-là qui rappellent un peu ce que toute fille vit quand elle a une déception amoureuse. Tout de suite, elle va appeler ses copines. Prendre conseil, appeler sa maman. Donc voilà. Et puis, bon, il y a après le côté un peu festif aussi dans le clip. Parce que le morceau, il est très chaloupé, très dansant, donc je voulais quand même qu'il y ait un petit côté on danse, on était malgré tout joyeux. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu un petit mélange un peu de tout ça. On va jouer maintenant. Et comme tu l'as dit si bien, n'aie pas peur, reste là. Comme tu l'as dit si bien, dis-moi, c'est ton titre. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais que tu me dises des choses que tu n'as pas encore dites, des petits secrets, des choses que tu n'as pas encore avouées peut-être. Alors. Exclu. C'est tellement vaste. Sur quoi? Sur la musique? Sur. Que ce soit sur la musique ou peut-être sur ta propre vie, je sais pas. Mais ça m'intéresse plus sur le côté musique. Alors, qu'est-ce que je n'aurais pas dit? Après, il y a des choses qui sont en préparation, donc effectivement, je ne dis rien. Donc je pourrais peut-être effectivement dire une chose. Il y a le remix de Dis-moi qu'on a travaillé en collaboration avec un jeune artiste qui s'appelle Soonstark. Soonstark, ok. Et il y aurait peut-être éventuellement un clip à venir. À venir sur ce morceau. Donc voilà. Je t'ai dit beaucoup là. Ouais. C'est exclu. Vous me remercierez plus tard. Avec Soonstark, vous êtes rencontrés comment? Alors, Soonstark, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, puisqu'on a fait notre BTS ensemble. Mmh. Mais en tant qu'artiste, en fait, je l'ai découvert. Ça doit faire un petit peu plus d'un an et demi que je l'ai découvert en tant qu'artiste, parce que je ne savais pas du tout qu'il chantait. Il t'a caché ça, dis donc. Ouais, il m'a caché ça. Et quand je l'ai découvert, en fait, il avait besoin d'avoir mon avis, parce qu'il sait que le rap, c'est pas forcément quelque chose que j'écoute. Et il m'a bluffé. Il m'a bluffé parce que, déjà, étant donné que je ne savais pas qu'il rappait, du coup, je m'attendais pas à entendre ça, en sachant qu'il fait tout seul, ses compos, ses textes, il fait vraiment tout lui-même. Tu veux m'oppresser? Tu sais, c'est dur pour moi, je fais tout pour ne pas te blesser. Est devenu délicat. Mais trop de peine. La première chose en fait qui m'a interpellée chez lui, c'est s'il te plaît, prends-moi dans tes bras. Parce qu'il a une manière très subtile de dire les choses et moi j'adore. Et du coup, quand ma prod m'a fait part du souhait d'éventuellement faire un mix sur Dis-moi, je savais déjà ce que je voulais. Je savais que je voulais un feat. Et tu savais avec qui? Avec un rappeur. Et je savais déjà que ce serait Soonstar. Il s'y attendait, lui, à... Non, il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas. Et même lui, il le dit qu'il est assez surpris, en fait, de s'entendre sur du Zouk. Donc,
Donc et voilà, donc ça a été une super belle. C'est une belle association. Ben moi je connais ses capacités, donc moi je savais très bien qu'il allait me donner le rendu que je voulais. Après c'est vrai que comme lui il arrivait sur un domaine qui n'était pas forcément le sien, il n'avait pas d'a priori parce qu'il connaît aussi mon travail et il a écouté le morceau parce qu'il fallait aussi que le morceau lui plaise. Je ne pourrais pas forcer à collaborer sur un titre qui ne lui convient pas. Mais c'est vrai que il était pressé en fait d'entendre sa voix sur le morceau et sur du zouk. Et moi le résultat, j'adore. Je savais que ça allait donner ça. Salut Soon Stark au passage. En effet. Eh bien merci Noécha pour cette interview. Merci à toi. Merci pour l'exclu d'ailleurs. Ah ouais, c'est vraiment une exclu. J'en suis fière. Eh bien, mes clips musiqueurs, mes clips musiqueuses, c'était Oriane, ainsi que Noécha pour l'émission Oriane veut savoir. Et j'étais ravie de l'accueillir avec moi sur ce plateau. Tu as peut-être des dédicaces à faire. Alors, on t'écoute. Personne. Je souhaiterais faire une dédicace, une grosse dédicace à mon équipe qui fait un super travail et qui me permet d'être à tes côtés aujourd'hui, Oriane. Une big dédicace aussi à tous mes partenaires. D'accord. Et à tous mes fans, ceux qui me suivent et qui me donnent la force parce que c'est pour important. Vous que je fais tout ça. Mmh. Voilà. Et bien on les salue tous autant qu'ils sont, un par un. Et puis on vous dit à très bientôt sur Clip Musique.